Dodé. Bref, j'aime trop la musique. Alors. J'ai 160k. Oh, sérieux? Mais t'as tellement? Oh, trop. Bah, je sais pas, moi j'ai pu. Yes va jouer à un jeu où on fait de l'alcool. Ouais. Je lui demanderai s'il vaut le coup. Je ferai peut-être. Alors, on est du coup sur Cult of the Lamb. On approche de la fin. Je sais pas si on va le finir ce soir ou pas. On verra. En tout cas, oh là là, j'ai mis un petit dessin. C'est trop bien. Je vais inspirer un peu mes adeptes, là. Oh, j'ai trop de sous. Je vais pouvoir acheter des trucs. Avant, je vais inspirer des gens, quand même. Non. Alors. On va inspirer en thé aussi. Petit Dan. On va devoir le regarder avec modération. J'avoue. C'est un jeu de... On est une brasserie, qu'on dirige une brasserie, je crois. Je crois qu'il peut rien acheter avec les points de chaîne. Oh, c'est trop bizarre. T'as fait un petit F5 au cas où? Bon, j'arrive pas à l'inspirer, c'est pas grave. Attends, on voyait juste quelqu'un chercher de la bouffe. La viande. On voit lui puisque c'est pas un viewer. Du coup, c'est pas grave, c'est une crève. Non. Alors, je vais voir si j'ai pas des trucs à acheter. C'était quoi ce truc là? Le fond du contrebandier. Faut que je vienne des use. Faut que j'achète toutes les cartes. Dépose une bombe explosive après une roulade. Trop bien hein. J'aime bien ça. Et ça, voilà. Je vais ramasser un petit peu des trucs que j'ai pas. Je vais voir si je peux avoir un nouveau skin. Ouais! Petit croco! Ah, y'a rien, ça m'énerve. Libérer celui qui attend. Ouais, on est à la fin là. Et on va s'y diriger doucement. Hein. On va se diriger vers la fin. Je faisais déjà tout à l'heure sur d'autres chaînes. Après, nous, en tant que streamer, on a eu des soucis avec Twitch ces derniers jours, et je parle pas de leurs nouvelles mesures qui font un peu débat. Je parle surtout des réglages techniques et de la connexion avec, avec les différents, différentes applications de streaming, où il y a des soucis. Et du coup, ça peut jouer. Donc ça peut ne pas forcément venir de toi, mais venir simplement de Twitch. Ça ne vient pas de toi, tu n'es pas responsable. Non. Je vais faire à manger pour tout le monde. On va faire un bon repas. Oh, je sais pas grand chose, hein. On va manger un petit adepte aussi. Moi aussi, je mange un petit plat. Ça me donne un cœur en plus. Ah, mais c'est qui est malade? Mais pourquoi? On va le soigner tout de suite. Il sera heureux.
C'est bien, il reste deux plats. Ils ont plus trop faim, j'ai l'impression. En tout cas, ils peuvent manger en attendant. Et puis, bah voilà, on va prendre des adeptes, les emmener avec nous et on va voir un petit peu celui qui attend. Si vous l'avez l'air, on explose à cause de lui, ça fait à côté. C'est bien ça. On va prendre leur cus. Ensuite, je vais peut-être prendre un truc qui récolte. Tac, encore un ennemi plus proche, c'est bien. Récupère automatiquement la ferveur, c'est pas dégueu. Je vais voir s'il y en a un qui fait ça mieux. Ouais, je vais prendre le Fornax et le truc... parce que je peux en avoir 3. Et le truc qui récolte la ferveur. La ferveur, c'est ce qui me sert de munitions, en gros. Ce qui me sert de munitions pour mon arme secondaire. Voilà, donc on a nos petits démons. Tidane qui est malade. Viens là. Ouais, ils ont une chance d'être malades avec les plats un peu bas de gamme. Enfin, une chance, est-ce que c'est ce qu'on peut dire chance, quoi. Je vérifie qu'il n'y en ait pas de malade. Je vérifie qu'Hémoglobine Dark soit pas malade et puis on s'en va. Et bah la dernière porte qui va s'ouvrir. La cuisine d'Ex est délicieuse. Ouais, mais les ingrédients, c'est les adeptes qui les font pousser. Et bon, bah... apparemment, c'est pas les plus doués, quoi. Oh là là! Ça sent la fin! Le portail. Oh, j'espère que ça va être sympa. Ah, c'est vraiment portail, y a pas de... Il me faut 20 adeptes! Oh, oh, j'avais pas prévu ça. Oh, il me faut 20 adeptes pour le réveiller. Oh, il va tous me les buter, vous pensez? Écoutez, on en a qu'à attendre et puis bah là, il y en a un. Vas-y, je vais acheter celui-là. Un petit renard, il est cute. C'est la fin du périple? Bah pas encore. Il me faut 20 adeptes quoi, j'avais pas prévu ça. Bah c'est parti hein. On va faire une récolte d'adeptes. Est-ce qu'il y a encore du monde sur le chat? Qui n'a pas son personnage? Je crois pas. Là Là je crois qu'il y en a pas, donc j'attends quand même quelques secondes au cas où, mais on va pas se prendre la tête en vrai. Ouais, non, il n'y en a pas. Au hasard. Ah, c'est le nom. Joujule, c'est bien. Apparence au hasard. Une petite âne ? Un petit truc ? En vrai, je vais choisir parce que j'en ai des nouvelles. Ah, bon, on va mettre un petit croco ! Il y a un petit dragon. Joujoule. C'est un petit vieux. Mince. Jouâtre. Une petite axolote. Oh, une vache aussi. Oh, un petit bison, tiens. Non. Petit bison un peu rose.
Elle est très flashy comme ça. Elle est comme ça. Bon, il va falloir que je fasse plein de maisons alors. Pour avoir tous ces adeptes. Allono. Ah, une autre petite licorne. Et on va ressusciter. Oh, j'en ai encore qu'à attendre, putain. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y'a pas assez de lits. Non mais deux secondes, je vais faire des lits, mais deux secondes, hein. On n'a pas le temps, hein. D'accord. Non mais non. On va te coucher. Ah non, il peut pas. Ah, c'est trop long. Attendre. Moi, je veux attendre qu'il se réveille. Oh, peut-être que j'aille pêcher en attendant. Parce que niveau bouffe, ça va commencer à être limite. Et oui. Ah, j'ai pas de graines en plus. Ok. Alors, planter full bouffe là. Voilà, ça construit un max. J'envoie quelqu'un d'autre me chercher de la bouffe. Bah, l'un des nouveaux. Ouais, mais bon. Il a pas le niveau. Ils sont des niveaux trop bas, du coup, ça peut pas être fou. Ah, faudrait que je ressuscite, on va faire un truc de ressuscitation. Je vais inspirer à nouveau. Voilà. Comme ça, ça va beaucoup augmenter son niveau de vitalité. Ensuite. Faut d'autres maisons. Tout sale là. Pourquoi ils font caca dehors? Ça va pas le faire. Hein. Alors on va récolter du bois encore. Je vais faire un truc de bois. Là on va améliorer un peu la productivité parce que c'est un peu lent. On transforme toujours un. Voilà. On va les faire taffer un peu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre comme truc que j'ai jamais mis et qui peut m'aider? Ouais, allez, un nouveau tabernacle. Mais bon, en vrai, ça, ça me pas plus que ça. Par contre, ça, je vais en construire un autre ailleurs. Genre ici. Ah, ça
ça augmente la productivité. Alors c'est bien. Non. Faut que je vois si je peux du coup ressusciter des gens. Ce serait bien. Il faut que j'inspire les nouveaux. Non. Ouais. On va voir si on peut ressusciter. Pas couronne. Non, c'est pas couronne. Rituel. Rituel de ressuscitation. Ramène à la vie un adepte mort. Ouais, on va ressusciter. Exactement, du ressuscitage. Alors, on a hanté, on a Marfufu, tiens. Oh, on a plein de monde. Hein. Oh, on a le vieux Trapil qui est déjà mort. On a deux camblèches parce que ça avait bugué, on avait une 10, c'est un rêve du luxe. Allez dans le chat, alors on va faire Marfufu. De toute façon, on va en ressusciter plusieurs. Non, sermon. Ils sont où les autres? Revenez Revenez, Soumsva, depuis tout à l'heure. Ah. Pas eu qu'attendre, on va aller dans un donjon de toute façon, mais après... Qu'est-ce qu'il y a, Gatmax? Plat exquis. Bah, je vais essayer, mais faut que je puisse en faire, en fait. Il me faut... Hein, il me faut un peu de la bonne bouffe aussi. Faites des efforts, merde. Je vais inspirer l'X, tiens. Faut que j'aille chercher, je pense, des poissons. On va aller pêcher. Ouais, je t'ai ressuscité. Ah, c'est chiant, par contre, les petits vieux, ils vont mourir avant que j'ai assez d'adeptes pour aller faire l'autre. On en a 16. Y a pas assez de lit, je crois. Ou alors, si on a assez, ça va pas durer. Ah, c'est, tu ramènes de la bouffe. Bien ça, va de dos. Avant, je t'inspire. Voilà, tu peux aller de dos. On va faire à bouffer. Plat exquis, c'est ça? Voilà. Je vais devoir construire encore de quoi dodo parce qu'il va nous falloir 20 places. Non. Va déborder un peu. Hein. T'es content? Voilà. Là, tout le monde il est content. Ça, c'est cool. Je vais quand même envoyer quelqu'un d'autre chercher de la bouffe si je peux. Oh, mais j'ai pas envie qu'il risque de mourir. J'ai pas envie qu'il meure. On va attendre un peu. J'en ai un autre qui attend là. Mais j'irais bien pêcher un peu. Ah voilà, c'est ça que je vais mettre.
Ok. Ça, c'est bien. Là, je construis. Bon, ils vont le faire, hein, mais je construis plein de trucs. Je vais les laisser faire. Je vais les pêcher. J'avais pas prévu d'avoir d'autres adeptes. Bah non, parce que en vrai, ça fonctionnait bien en étant moins. Tout acheter là aussi. Ouais, tout acheter. On va pêcher un petit peu. Pour ramener de la... du poisson. Et Et puis voilà. J'irai peut-être faire une petite excursion quand même en donjon. Pour peut-être avoir d'autres... soit d'autres compos, soit... trouver un autre adepte. Bon, on va les atteindre les 20. Ça va être très compliqué. C'est juste que... c'était pas prévu. Du lo- le monstre du Loch Ness. Beaucoup de poissons. Hein. Bah voilà. Du coup, j'ai trouvé de l'herbe. C'est pas, c'est parfait. C'est je vais peut-être voir chez le champi si j'ai tout acheté. Et dans la grotte aussi. On va tout acheter. Hein. J'ai pas tout acheté là. Hop. C'est pas du boulot. Ah non, c'est de la citrouille. Pardon. Anoura. Ah, ça multiplie ma vitesse, c'est bien ça. Je suis allée là, dans la teugro. Ah oui, c'est là où faut sacrifier des adeptes. Répondre au lichor lorsque vous subissez des dégâts. Il manque une carte. Oh mais attendez, la bouche elle est ouverte, la bouche du machin. Il m'en manque une. Ah, elle était déjà ouverte. Je sais pas où elle est cette carte là. Envoyer l'autre chercher de la boue. Ouais, de la bouffe, 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 de la bouffe. Ou un adepte. Mais j'ai déjà ça. Oh, une apparence de chat. Oh. En tout cas, c'est bien. Thank you.
Ok, est-ce que la propreté ça va? Ça a l'air d'aller. T'inspires ou shot? Parfait. Faut que je fasse d'autres maisons. J'ai un Simpson le croco. C'est bas ton croco. Pourquoi? Ah parce qu'il y a des picots. Il a des picots sur la tête. Je vais faire bouffer. Bon, ils attendent depuis un petit moment, va falloir que je fasse quelque chose. Ensuite, je vais t'accueillir, toi. Il s'appelle Arbre. Je vais choisir son apparence parce qu'il y en a quand même des cools. Un petit ours. Il y en a plusieurs là que j'ai pas eu. On va prendre le nouveau, le petit chaud. Oh, il est trop pipou comme ça. Oh, regardez, il est tout triste. Oh, on va mettre un chat emo. Stylé. Bah c'est pas planté là, arbre. Ouais il s'appelle arbre, c'est ridicule. On va couper du bois, arbre. C'est cocasse. Ok, c'est bon, personne n'est malade. Vous avez une nouvelle croyance à l'obéissance. C'est bien ça. Une croyance qui me plaise. Isia, c'est vrai qu'on dirait Bart Simpson. J'aimerais affronter Moglubin Tap dans l'arène. Let's go! Oh, par contre, j'espère qu'il s'affronte pas jusqu'à la mort. Ça va me saouler sinon. C'est Bat Simpson et Moglobin Dark. Défonce-le, Emo! Oh non! Bah bien sûr, reste en vie enfin. Ah, je gagne une carte! Un petit sermon du coup. Adepte, toi ça va aller. Du coup, je gagne une carte, je l'avais pas avant. C'est la dernière qui me manquait. Les amants. Oh ouais, je crois que je les ai toutes. Ah non, 35 sur 36, ah merde. Il m'en manque une. Oh terrible. Alors, attends, faut que je te parle. Attention. Voilà, on augmente la fidélité. Salut, Yarmouane!
merci d'avoir suscité. Plus que deux. Il manque plus que deux. Ça fait du monde, hein. Bon. On va faire du manger. Et puis on va partir en mission. T'as coupé les lights comme dans Among Us, comment ça? Pourquoi tu dis ça? Hey, je jouerais bien à First Class Trouble. On va peut-être faire ça Ah bah lundi? On voit ça. À l'appart? Comment ça? Je vois sombre. Mais je suis toujours comme ça. C'est juste que hier, par exemple, j'étais en fond vert, donc il y a plus de lumière, mais sinon, c'est la même lumière que d'habitude. Ouais, bon, putain de bandeau sur la vidéo. Ouais, c'est le... Ah, mais t'es jamais venu pendant qu'on jouait... t'es jamais venu pendant qu'on jouait à ce jeu. C'est... J'ai mouru. Non, t'es vivant. Ah ouais, t'es jamais venu pendant que je joue à Cult of the Lamb. Oui, en fait, c'est un jeu qui fait participer les viewers, et quand j'ai un adepte, et ben tu peux... là, tu vois, là, c'est que des noms de viewers. Ah, Morfufu, Cromlech, Lixcrea, Mystique, Gat, Max, bref, voilà. Tu peux intégrer, mais tu peux juste fermer le bandeau, hein. Et si ça marche pas, faut juste refresh, mais tu peux fermer le bandeau. Et cliquer oui. Bah, ça veut dire que... Ça veut dire que quand tu auras un nouvel adepte, tu pourras du coup lui donner son nom et lui choisir son apparence. Il y a moins de ferveur. Pourquoi il y a moins de ferveur? Ah mince. Faudrait que je fasse un lavage de cerveau. Ah oh, ouais, je vais faire ça, je crois. Oh, je crois que je vais faire ça. J'ai déjà fait aujourd'hui. Je vais peut-être faire un rituel de lavage de cerveau pour que tout le monde soit content, parce que sinon ça va me saouler, je sens. Je sais plus comment je le fais. Là. Let's go. Cool. Ah ouais, je pensais que t'avais déjà vu Cult of the Lamb. Petit lavage. Ouais, non, parce que là je commence à avoir beaucoup de monde. Et si je fais pas ça, bah j'ai peur qu'ils soient tous chiants. Ah oui, on peut contribuer à... Voilà. On peut contribuer effectivement avec des petits cailloux. Ça contribue au totem, la barre violette là-haut. Et quand elle est remplie, eh ben, j'ai le droit à une récompense aléatoire. Et vous avez... Et vous pouvez choisir de temps en temps mon destin. En donjon ou dans le jeu. Je peux acheter des adeptes. Je ferais bien un petit tour. Et les bois sombres, c'est lequel que j'ai le moins fait? Je crois que les bois sombres, j'ai pas fait beaucoup. On va aller vite fait. Voir si je pourrais peut-être trouver une carte. Considéré comme un lâche par ses pairs, Calamar était néanmoins le maître de bien des adeptes qu'il manipulait à sa guise. Libéré de ce fléau, les créatures d'encombre sont désormais plus féroces que jamais. Ah d'accord. Eh ben c'est bien. C'est-à-dire que ça va être plus dur. Mais j'ai plein de trucs là. Projectiles qui peuvent posséder, ça c'est chiant. Et on poisonne parfois l'ennemi, ça c'est bien. C'est une épée. C'est plutôt rapide, ça a plutôt une bonne portée, c'est du juste milieu bien. Hein?
Ah, c'est vrai que c'est on a l'impression d'être sous l'eau dans Encombre, c'est trop bien. Il est possédé, je peux pas. Là, je peux. Mes bébêtes qui l'ont tué. Feu d'artifice! Un cœur supplémentaire où les maléfices consomment 25-50% de mon ferveur. C'est un bon bonus, alors je vais le prendre. En espérant avoir un maléfice plus utile. Choisir les chemins de la boue. Oh des choux. Oh punaise, des choux fleurs, hein, c'est trop nul. Hein. Ouais, je crois que c'est plus rapide quand je tape. Oui, c'est plus rapide quand je tape. Voilà. Pas déjà le truc au-dessus. Ça me permet d'aller plus vite à la fin. Ouais, mais je vais voir si je trouve des trucs avant. Oh non, je fonçais dedans. Quel nulos. Arrête de foncer dedans, Lox. T'as pas, non. Octroie 5 de ferveur lorsque vous faites des trucs. La ferveur, c'est bien. C'est ce qui me permet d'utiliser mon âme secondaire, mais... Mon âme secondaire, elle a un passif pourri. Enfin, un passif, un pouvoir pourri plutôt. Multiplie la vitesse de déplacement. Je vais monter d'abord. Ah! Y'a quoi? Des fois avec mes démons... Oh, c'est cool, des baies. Avec mes démons, j'ai l'impression qu'il y a pas d'ennemis, mais en fait, les ennemis sont derrière mes petits démons. Mais merde, y'a un truc qui me tape là! Subi des dégâts grâce au chat. Merci, vous êtes adoro. Attendez, il y a un truc qu'il faut que j'aille chercher en bas là. Boum. Oh non, Talmir est mort et merde. Mince, j'ai spammé A, je voulais pas. J'ai spammé A, je vais trop vite. Mais il faut que je rentre. Ah, arme secondaire. Repousse en posant les ennemis, c'est bien mieux. Oh, déjà ça. J'ai plus. Oh, un adepte à droite, mince. Ça donne des camélias, c'est bien, ça permet de guérir. Puis je vais prier.
vos possessions suivront jusque dans l'au-delà. Ça veut dire que si je meurs, et ben en fait, je garde quand même mes possessions, c'est bien. Ah, ça c'est bien quand même en secondaire, vous avez vu? Merde. Ok. Bon, je ramasse à peu près des trucs. Hein. Tiens, un éclair de feu aveuglant maintenant relâché. Non, j'aime bien mon truc. 2 secondes d'invincibilité. Blesse et repousse. Et projectiles. Non, je vais garder mon poison, je trouve ça trop pratique le poison. Témoin Astaroth. Rien. Merde. Fais que disparaître, c'est un sup. Qu'un cœur. Regarde mes cœurs. Oh, et moi c'est un demi-cœur. Ouh, c'est chaud. Et voilà, un nouveau. Et on rentre à la maison. Je vais prendre des choux-fleurs. Œil de témoin. Je rentre par où? Je rentre par là? C'est officiel. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Oh, ah mince. Ah, j'avais pas prévu ça. Oh merde. J'avais pas du tout prévu ça. En plus, j'ai plus de vie. Entre à la maison, j'avais pas prévu. Mais d'accord, ça peut durer plus longtemps si je veux. Ah non, j'entre pas du tout à la maison, c'est le boss. Merde. J'avais qu'un demi-cœur, elle a fait chier. Bon, normalement, je perds rien, il m'a dit, hein, j'ai prié. Ouais, c'est bon, je perds rien. Ça va en vrai.
en a pas qui vomit, c'est tout. Attendez. Attendez avant de chouiner deux secondes. Heureusement qu'ils sont en lavage de cerveau. Hein. Bon. Vu qu'ils sont en lavage de cerveau, ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est ça? Et tiens, Grisou. Hop là, j'accepte de recruter des adeptes rebelles. On va faire à bouffer. Il m'en faut 3, bah ouais. Là j'en ai qui attendent, c'est bon. Non mais j'aime bien envoyer Dodo. Ah voilà. Et soigner celui qui est malade. Voilà. Ça c'est tout bon. Utile, ouais c'est clair. Ah, de la bouffe là, en donation. Petite récolte et tout comme d'hab. Surfman, t'es dans le coin si tu veux ton adepte. On va faire ça. Voilà. On va y arriver. Faut nourrir tout ce monde. Je peux rien faire. Non, c'est normal. Grisou, il spam le truc. Non, c'est pas Grisou, t'inquiète. C'est pas pour ça. Tout va bien. Attention. Tirage au sort de l'adepte. Voilà. Là, tu peux participer et avoir ton adepte. Mais bon. Ah bah ça doit être toi. J'ai emmené le tirage parce que on peut avoir qu'un seul adepte et dans le chat tout le monde l'a déjà. Et voilà, et là tu peux choisir sa tronche. Et t'as de la chance parce que j'ai quasiment tout débloqué, du coup t'as un grand choix de petites tronches. Oh, il fait le chaton. Il est tout nouveau celui-là, je l'ai eu tout récemment. Ça sature pas un petit peu là quand je parle. On dirait. Parfait. Bon par contre, t'as des malus. Mais ça c'est complètement aléatoire. Travail génère de la dévotion 10 fois plus lentement que les autres et se soigne plus lentement une fois au repos. C'est pas bien grave. Le son est bon. Ça doit être, ouais, ça doit être moi qui entends bizarrement. J'avais une chance sur un d'être choisi exactement. Allez, petite parcelle agricole. Je vais l'appeler Minette. Ah bah si tu veux, on peut l'appeler Minette celui-là. Oh non, encore un qui meurt, merde. On peut crever là, ça me saoule. Oh merde, je voulais le cuisiner celui-là. Mais ouais, ça donne forcément ton nom. Je refais encore un peu à manger. Oh mince, il y a des délicieux, j'avais pas vu. Mince,
Appuyer, j'ai dû appuyer à côté. Oh là là! Ils ont tous vomi en une seconde, quoi. Oh, je récupère de la bouffe quand je nettoie le vomi. Non, mais c'est dégueulasse. J'ai récupéré de la viande en nettoyant le vomi. Ah, c'est ça que je veux, en fait. Merci pour les contrits, ben. Salut, salut, Chromette. Merci beaucoup du soutien. C'est très sympa, bienvenue à toi pour ton troisième mois d'amant. Comme l'aide. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil, sache que t'es toujours quelque part. Je sais pas où, mais t'es quelque part. Ça a pris un max là, pourquoi pourquoi? Y'a arbre. C'est vraiment nul comme nom, arbre. Tu as bien petit cramblage? On cycle le vomi, tout à fait. Oh là là. Au fond d'un trou rebouché avec précaution. C'est possible en fait, t'es peut-être mort, je crois. C'est très... Je crois que tu viens juste de mourir en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est toi. C'est pas lui qui vient de mourir en vrai, c'est pas Cromlech à l'instant. Grisou, j'ai un doute. Il y a Talmir qui est mort et il y a... Oh, peut-être Cromlech en fait. Là, je le vois pas là. Ah non, non, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, je fais un peu des prières. On met de la crève que ma mère m'a refilée. Comme chaque année à la même époque. Ah, j'ai l'impression que t'es pas seule là. Bon, voilà, je suis un peu dévotion à tout le monde. Ah bah tiens, le voilà, Cromlech. Petit Cromcrom là. Ah, Kuzake qui revient à la vie, merci beaucoup d'avoir ressuscité Kuzake. Je vais peut-être encore envoyer quelqu'un chercher de la bouffe. Lui, il peut ou pas? Non, il peut toujours pas. Il n'a pas un niveau assez élevé. Celui-là non plus, évidemment. Et celui-là, niveau faible. Peut-être que si je l'inspire... Je suis à peu près elle, mais je me remets avant elle. Attends, ton système immunitaire est tellement renforcé. Sinon j'envoie petit Dan. À un moment c'était celui que j'envoyais pour la bouffe. Il était doué. Bon, j'en ai combien? J'en ai 18. Là il y en a un autre. Et on va après en acheter un. Bon. Là, j'ai plus personne dans mon chat qui n'a pas eu son jade trémère. C'est bien ça. Qui n'a pas eu sa bébête? Donc, au hasard, au hasard, au hasard, au hasard. Oh non. Oh, stylé, la truc en sang. Mais bon, on a déjà plusieurs licornes. Axolot, ça peut être sympa. Ou une petite vache. Ou... une petite loutre. Un petit hippo. On va faire un petit axolot. Je vais bouger, hein. Là c'est un pain sup. Oh, allez, on va le faire en bleu, classico. Oh, avec des petits trucs. Mais ça, c'est un rebelle, lui. Donc on va être obligé de le mettre en prison, je crois. Ouais, voilà. Toi, tu vas là. T'arrêtes tes conneries un peu, hein. Tu te disciplines. Et il est content d'être discipliné. Bon.
Bah let's go hein. Non, je pense que je vais en ressusciter, hein, ce sera plus sympa. Je peux l'acheter, mon dernier. Non, je vais pas faire ça. Ça vient d'arriver déjà au pilori, le pauvre. Oui, parce que c'est une quête où Grisio m'a dit, tiens, pour montrer qu'on est bon et généreux, tu veux pas accepter des adeptes rebelles dans le groupe? Et j'ai dit oui. Mais du coup, j'avais des adeptes rebelles, quoi. Je mets des trucs de pierre. Ok, ils vont tous chez où? Je vais aller chercher du poisson. Ça t'inspire la musique, c'était à l'achat, oh non! Oh non, c'est terrible, c'est affreux. Je me suis mis à Genshin Impact. Je suis pas très douée. Mais je me défends. Oh bah c'est bien, GG. Si tu veux, je connais... Je sais plus d'où... J'allais dire, si tu veux, je connais une streameuse qui y joue. Mais ça se trouve que tu la connais, c'est Soutane. Voilà, c'est possible que... Que ce soit un viewer ou une vieweuse en commun qu'on ait. Mais voilà, la streameuse Soutane, elle joue beaucoup à Genshin, elle est très forte et donne beaucoup de conseils. Et elle est adorable. Et elle stream tous les jours. Voilà. Du coup, il ne faut pas hésiter. Allez là-bas. Adorable comme toi. Oh, encore plus. C'est officiel. C'est la meilleure. Oh, arrête. Merci Grisou. Parce que bah voilà, moi j'y connais rien en Genshin. Et vu que j'y ai pas trop joué, bah voilà. Mais elle, vu que je sais qu'elle en fait énormément. Et elle fait même des petits events dessus et tout. Des petits trucs où elle donne des trucs aux viewers. Elle fait gagner des trucs aux viewers et tout. Elle stream en ce moment même pas sur du Genshin. Ouais, bah là elle est en marathon depuis début septembre, je crois. Ouais, elle stream tous les... Bah je crois qu'elle stream en permanence. Juste elle met des rediffs ou des trucs comme ça. Mais elle stream quasiment en permanence sinon. Et du coup, elle fait d'autres jeux forcément pendant cette petite période-là. Mort de vieillesse. Non, on meurt pas de vieillesse, c'est moi. Hein. Non, on n'a pas un qui est mort de vieillesse, s'il te plaît. Non, pas encore. Bon. Ah, ils ont faim, donc on va leur cuisiner à bouffer. Pas de dos. Je vais faire à manger. Ah, mélange ordinaire, non. Délicieux, c'est mieux. Voilà. Là, on aura des bons plats, donc faut que je fasse gaffe à pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire rater 3 plats. Oui, non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais jeter les plats nuls. Non, tout le monde vomit. Faut que je discipline celui-ci, là. Pendant qu'il saute de sa gueule. Mais c'est qui vient se moquer de lui? Je trouve ça trop drôle. Bon, ils ont tous les yeux tout blancs parce que... parce qu'ils sont encore en lavage de cerveau.
Mince, est-ce que je m'occupe de ça? Ouais, voilà, je me disais bien, s'ils font rien, c'est qu'il n'y a plus de graines. Voilà, c'est bon, j'ai tout rempli, c'est bien. On va ressusciter un copain. Je refasse encore à bouffer. Est-ce que je peux ? Rituel. Rituel de résurrection. Oui ! On va résurrecter qui ? Il me faut 20 adeptes, hein, c'est pour ça. On a déjà en témoignation. Grisou, mais on a déjà un autre grisou, donc ça va. Ouais, le Luc, Vendis. Ah bah tiens, Cromlech. Ah mais c'est qu'il y en avait deux Cromlech. C'est un peu le bordel. Allez, on va faire Vendis. Ouais, Lou, moi. Ah, je fais Vendis, il est plus haut niveau, il sera plus intéressant. Bon. Encore envoyer quelqu'un chercher de la bouffe. Bah toi hein. T'es mon petit chercheur de bouffe toi. Ok. Faut que je construise encore quelques maisons je crois. Ah non, une ça va. Ah bah c'est bon, j'ai 20 adeptes. C'est bon, on a 20 adeptes. Salut Alcaline. Ici à toi. Rituel de l'avarice, oui, on fera ça, on fera ça. Bon. Apparemment, c'est un peu sale. Attendez. C'est sale. Où est-ce qu'ils ont fait caca? Où est-ce qu'ils ont vomi? Ah bah ici. Il y a des chiottes, bordel. Bon. Nous sommes 20. On va voir. Je vais quand même prendre un petit... parce que je sens le boss arriver. On va se faire un petit démon quand même. Hein. Voilà. Minec, t'attaquons vos cris. Récupère avant la ferveur. Il manque plus qu'une contribution, je crois. Pour avoir un truc aléatoire, si vous voulez. Une contribution au totem. Comme ça, on aura un truc aléatoire, on verra. Il sera peut-être bien. Allez,
ils s'embrouillent, ils m'enfuient, ils sortent moins de regarder derrière, ils sont trop vénères. Ça va mieux maintenant. C'est très efficace. Voilà, je fais un peu, on bénit un peu tout le monde là. Ce que je voulais. Merci, vous êtes fantastique. Je peux faire des super repas. J'en fais que deux pour le moment parce que ça va. C'est qui se rebelle? Pas sûr, hein. J'ai entendu le bruit d'un rebelle là. On est parti. Il faut qu'on libère celui qui attend. Bon, je sais pas ce qui va se passer, mais sachez que j'ai beaucoup aimé ce temps passé avec vous. Vous étiez des super adeptes. Je sens qu'il va vous arriver malheur. Juste, vous me donnez plein de ferveur. Ah, j'ai mes petits démons. J'ai trop bien fait de les faire. Ah, il va avoir un gros combat de boss, là. Vite, rapide! J'ai hache, hache ou marteau... Ah non, j'ai que des marteaux. Oh, ah non, épée. Ah non, je suis teg. Non, faut céder, c'est nul. Gel, pourquoi pas, traverse. J'ai que des marteaux, je suis au fond du gouffre. Posséder ? Non. Perce la terre pour déverser les hordes de fantômes qui ciblent les ennemis proches. Et de glace qui gèle les ennemis. Allez, je fais ça pour le côté spectaculaire, même si geler ça peut être pratique. Ah, geler ça peut être très pratique. Ah. Toujours pas d'aide. Non, effectivement. Les fantômes ou le gel ? Parce que voilà. Oh, je vais frapper tellement lentement, ça va être affreux, je suis deg. Allez, le gel. C'est plus intelligent. Ça me saoule, mais c'est plus intelligent. Désolé, ça vous nique un peu les yeux. Moi aussi, hein. Sacrifice, je serai libéré. Enfin, enfin, je serai libre. Approche, porte couronne, et accomplis ton ultime mission. Offre-moi ta vie en sacrifice. Oh non, mes adeptes! Oh non! Refusez. Alors tu m'as trahi, porte-couronne. Mon culte vénère de fausses idoles. Tu as fui ton devoir.
Cette couronne est mienne par droit divin. Croyais-tu vraiment pouvoir berner la mort impunément? Merde, j'avais pas prévu. Maître, laissez-moi donner à cette vermine un avant-goût de votre toute puissance. Oh non, balle! Ça va être compliqué de donner un coup, je suis trop lente, c'est horrible! J'avais le choix entre marteau. C'est les plus lentes armes au monde! Merde. C'est dur de taper parce que... Regardez le temps que je mets. Horrible, je mets tellement de temps à mettre à faire un putain de coup. Je vais m'occuper de cette bête, maître. Je récupérerai votre couronne en lui arrachant la tête. Attends! J'ai besoin d'un cœur! Ah non, j'ai pas besoin. C'est trop dur, j'arrive pas à le taper! Mais merde, t'es sérieux? Je l'ai eu! Je crois avoir remporté la victoire, n'est-ce pas? Tu penses être en danger. N'oublie jamais que tu m'appartiens! Misérable agneau, je vais t'égorger et te torturer jusqu'à la nuit des temps. Même dans la mort, tu ne m'échapperas pas! C'est dur de faire cette voix. Attends, y'a un petit cœur là à tes pieds. Voilà. It's ok. Attends. Ah, ça va être compliqué là. Pur là, il me tape le... Arrêtez! Oh, je vois rien. Je l'ai pas eu. Oh, les armes qu'ils m'ont proposées, c'est vraiment pas cool non plus. C'est horrible.
horrible, quoi. Putain, c'est... Ah. Ces armes de merde et puis cet écran blanc, ça m'aveugle. Bon, bon, bon. Encore mal dormir, merci aux voisins avec leur machine. Ah ouais, c'est que t'entends les vibrations de la machine, quel enfer. Et t'as essayé avec des boules caisses? Je sais que c'est pas une super soluce, mais si t'as pas besoin de te lever demain matin, ça pourra aider peut-être. Même si je sais que voilà, vraiment pas truc ultime. On a pas non. J'espère que le rendez-vous cet après-midi ça va faire quelque chose. Les vibrations ça fait massage. Non. Les vibrations ça fait pas massage. Honnêtement, j'ai même essayé des trucs vibro qui étaient censés masser le dos là. Et ben, je trouve ça super désagréable. Vibration ça fait claquer des dents. Massage interne éventuellement. Aïe, il se plaint déjà le pauvre Trapine. Bon, petite prière, on y retourne hein. Mais j'espère que j'aurai des meilleurs choix d'armes parce que là c'était vraiment du foutage de gueule. Je vais mettre les lunettes parce que le... Putain, le décor blanc là pour se battre c'est quand même assez affreux. Je m'entendais que là que ça allait partir sur une blague d'adulte. Juste une adulte. Allez, on repart avec des copains. Ça va aider, mais on va dire que oui, peut-être. Mais c'est pas un donjon. Bon, j'espère que ça va marcher quand même. Peggy 18, oui. T'as tout à fait. Ok. On y retourne, on va voir. On va retenter, on va retenter. Moi j'y crois à mort. Les bienfaits du sommeil. J'ai vu un reportage Arte qui parlait du sommeil.
Bah bon, bah quand on dort pas beaucoup, c'est un peu flippant. Épée divine. Inflige nettement plus de dégâts que les armes ordinaires. Bah ça semble très bien ça. Ensuite, repousse et blesse l'ennemi. Invoque tentacule frappant dans quatre directions et maintenez pour viser. On va prendre ça. Là, ce sera un petit peu mieux. Ça va bien sur ton visage, mais c'est gentil parce qu'elles sont immenses. Bon, on a déjà fait tout ça. Hein. Les petites mélodies sont trop cool. T'as du bal. Ah, j'ai voulu partir, j'ai pas réussi. Quand même mieux hein, quand on peut frapper plusieurs fois. Hein. Et voilà, il est déjà dead. Allez, viens là, chaton. Mince. Merde. Je suis sûr qu'il y a une seconde phase. Merde! Ah, j'en étais sûr, j'étais sûr qu'il y avait une autre seconde phase. Tu pensais avoir aussi un dieu ? Ah, ça va pas me niquer les yeux, ça. Trop cool ! Considère que la corruption s'est propagée au sein de mon propre culte. Merde. Ah, la musique est trop bien. Le plus fort. Pour moi. Pour vous, je vais pas plus fort. Oh merde, je regarde ailleurs.
Dernière phase. Ah non! Oh, c'est un chaton! Il semblerait que tu m'aies remplacé. Aussitôt l'agneau démon de la créature de malheur. Dans ce cas, quelle sera ta décision? Seras-tu... Merci! Seras-tu une divinité vengeresse et cruelle ou lâche mais miséricordieuse? Cette fois, le choix est tien, tout comme la responsabilité de cette décision. Qu'est-ce qu'on fait? On tue? On laisse vivre? Moi, j'aimerais bien que ce soit le chat qui décide qu'il y ait vraiment une application. Voulez-vous laisser le chat décider? Est-ce qu'on est miséricordieux? The? Ou est-ce qu'on est un être vengeur? On laisse vivre. Sondage. Allez, un petit poll. La musique est trop cool, de toute façon, c'est pas grave. Petit poll. Alors, épargner ou tuer? Épargner. Tuer. Vous avez 3 minutes! En sondage. Ouais, ouais. T'inquiétez pas, c'est un cours. À vous décider, vous avez 3 minutes. Ce suspense. La possibilité de faire des vases. Ouais, bien sûr, c'est que je me suis dit, ça aurait été bien que le jeu le prévoie, parce que le jeu prévoit plein de petites features avec le chat. Et ça aurait été bien que là, il me le propose. Voulez-vous laisser le chat décider? Ça aurait été sympa. Ouais, non, c'est bizarre, ça, le Caline. Bonsoir, Bitsou! Arrêtez, Comichet! Ce sont pas des esclaves, ce sont des adeptes. Ils sont contents. Vous pouvez choisir d'épargner ou de tuer le boss. Les dépenses de cailloux. Oui, j'ai laissé les dépenses de cailloux. Comme ça, si quelqu'un veut vraiment faire pencher la balance vers un des votes, il peut. J'ai laissé. Voilà, je baisse un tout petit peu. Alors pour le moment, oh là là, ça penche vers 50-50. 28% pour 50-50, c'est vraiment des enfoirés. Ça semble 50-50. Épargner ou tuer? Épargner ou tuer? Ah, pour le moment, c'est tuer qui l'emporte. Pas assez de points de chaîne, moi. Mais au pire, tu peux juste voter, c'est pas grave. Des gens bons. 49% pour tuer, 51% pour épargner. C'est à vous de décider. Attention, il ne reste plus qu'une petite quinzaine de secondes, je dirais. Épargner. Attendez. Normalement, il est parti épargner, il écrit 50%. Bon, mais épargner, c'est que c'est épargner. Nous allons donc épargner notre bourreau. Attention. Épargner. Tu n'es qu'un être pitoyable et faible, pathétique. Attends. Accueillez votre nouvelle recrue.
À 59 votes à 58, c'est pour ça, d'accord. On est trop, on a trois super cultes. La bête sacrificielle s'est affranchie de son maître et j'ai pas lu la suite parce que j'ai réclamé ma go XLR. Merci d'avoir joué, noble disciple. N'hésitez pas à prêcher la bonne parole autour de vous afin que tout le monde puisse profiter des enseignements de l'honorable Agnio. Voilà. C'était Cult of the Lamb. On a terminé. T'as fini le GG? Oui. Ah, c'est pas GG, c'est OO. Oui, j'ai fini le jeu. Eh ben, il était très cool. Regardez-moi ce petit agneau, comment il défonce. Sur ce, bisous la VOD. Attendez, on va voir un petit peu rapidement. Ah, on a tout notre culte et tout. Comme avant. On peut continuer à jouer si on a envie et on a l'autre là. Et bah parfait! Bravo à vous! Bisous VOD, c'était Cult of the Lamb et c'était trop cool! Bye 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 bye.